discerning growth, implementing the necessary changes in a balanced way in order to avoid economic crisis. This kind of action may sound costly, but the cost of inaction is humanity's eventual destruction. If all of this sounds overwhelming, here's a reason to be hopeful. Cultures shape people to behave as they believe they must. If enough of us choose to be instead of to have, Bonsoir. Aujourd'hui, on va travailler très très rapidement. Je vais vous montrer comment utiliser le téléphone pour être productif. Donc, je vais vous montrer avec un iPhone. Ça a été demandé hier. Donc, le téléphone a des applications que je trouve essentielles. C'est pour une productivité en tant qu'entrepreneur. Donc, voilà. Bonsoir. Je vais juste être assez rapide. Donc, quand j'ai mon téléphone est censé être un outil qui va m'aider. Je peux construire une chaîne YouTube. Voilà. Là, j'ai YouTube Studio. Cette application, ça me permet de checker ma chaîne YouTube. Là, je peux voir les statistiques. J'ai plusieurs chaînes YouTube, en fait. Donc là, je peux voir, je clique ici, je vois toutes les autres chaînes. Voilà mes autres chaînes. J'ai une chaîne, celle-ci. Ça, je fais des trucs de make-up. Bon. Je voudrais que vous compreniez que... Bonsoir, Nina. Mon téléphone peut être mon meilleur atout. Tout ce que j'ai dans mon téléphone m'aide à faire quelque chose. Donc... Je vais rentrer là-dedans avec vous. Donc, aussitôt que tu reçois ton téléphone, quelles sont les applications essentielles? Bon, je sais que généralement, mes WhatsApp ou mes Facebook, Facebook, je l'ai là. Facebook, je l'ai juste pour faire les directs que je fais. Là, vous me parlez. Enfin, je vous parle. Donc, j'ai mis Facebook. Sur Facebook, vous connaissez mon nom, Pasteur Jocelyne. Donc, je viens ici. J'ai l'église de la foi, j'ai des guides Jega Academy. Donc voilà toutes les pages que je gère. Donc je viens là, je clique sur la page qui m'intéresse. Supposons que c'est la page de l'église. Et là, j'ai l'église de la foi. Si je veux faire un direct, je clique là-bas. Vidéo en direct. Et là, je peux passer en direct. Voilà. Donc, c'est à ça que Facebook me sert. Là, j'ai Messenger. J'y vais très, très rarement. Et donc, si quelqu'un m'écrit, vous savez que je ne lis pas vos messages, vraiment. Donc, voilà Messenger. Parce que je trouve que c'est une perte de temps. Donc, je vous montre les applications que j'ai sur mon téléphone. J'ai parlé de Facebook, j'ai parlé de Messenger. Vous allez voir qu'il y a plein d'autres applications. Hier, je vous parlais de Kindle. Donc, Kindle est là. Si je suis, si je sais que j'ai 15 minutes, 20 minutes, je suis sur Kindle. Donc, voici le livre que je suis en train de lire actuellement. C'est celui-ci. Genre, on peut prédire la vie, ça le titre du livre. Je suis déjà à 11%, j'ai commencé aujourd'hui. Et puis, il y a plein d'autres livres. Et vous allez voir dans ma bibliothèque, j'ai des livres de développement personnel vraiment. Voilà mes lectures. Construire des systèmes. Comment créer les valeurs de base chez mon enfant. Comment j'ai lu ça. Comment créer ma propre valeur. Ton lendemain dépend des actions que tu prends aujourd'hui. Comment construire un futur financier. Ça, c'est le président de Dubaï. Il a établi Dubaï. Que faire avec votre temps? Voilà ma librairie, vraiment. Ne dépensez pas l'argent que vous n'avez pas sur ce que dont vous n'avez pas besoin pour impressionner les gens qui s'en foutent. Donc voilà ma bibliothèque. Le plus grand secret de la vie. Donc ça, c'est le livre de prière. Rules of Engagement. The Power of When. You Inc. Ça, c'est pour le branding. Ça m'a beaucoup aidé, ça. You Inc.
Secret of the Millionaire Mind, T. F. Eker. Stella Adler, ça aussi, c'était très intéressant. Bon, en fait, je vous montre ma bibliothèque en détail. Hier, j'étais un peu passive là-dessus. Et aussi le Millionnaire de Babylone, The Richest Man of Babylon, très intéressant aussi. Donc, en fait, voilà ma bibliothèque.